Salut à tous, ici Rafi7650, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Donc c'est mon 20e épisode sur les couleurs sympas à réaliser dans GTA 5. Donc c'est parti, je vais vous faire montrer la couleur néon purple. Donc pour cette couleur néon purple, vous allez tout d'abord placer un bleu racing métallisé. Bleu Racing, il se trouve où lui? Bleu Racing, voilà. Bleu Racing. Ensuite, vous allez mettre un rose vif. Donc en nacré rose vif. Rose vif, il est où lui? Ah merde, c'est chiant ça. C'est pas loin. Voilà, rose vif. Voilà, rose vif, ça vous fait un petit effet vraiment sympa. Ensuite, en secondaire, bah, vous allez mettre un rose vif également. Secondaire, rose vif également métallisé. Donc rose vif, c'est après le rouge donc. Et... voilà, rose vif. Donc vous voyez que ça vous fait une belle couleur par rapport à la néon violet. Donc, cette couleur-là est encore plus belle que l'autre. Et ensuite, bah, vous faites comme vous voulez, soit par exemple éclairage, kit néon, vous choisissez soit vous mettez du rose, rose vif, voilà. Ou soit vous préférez mettre du bleu, bah, vous mettez un bleu, quoi. En bleu électrique, c'est à vous de voir, moi je vais mettre du rose vif. Voilà. Et ensuite pour la fumée roue, donc vous allez dans roue, accessoires, fumée roue, donc vous mettez soit du bleu, soit du rose, c'est vous qui voyez. Moi je mets du rose. Voilà. J'ai rien oublié, non? Mais c'est bon. Donc voilà, vous avez votre couleur néon purple. Donc ça vous fait une belle couleur, même les fumées. Là on voit pas très bien, c'est la nuit, mais sinon c'était une fumée rose. Voilà, ma vidéo est finie, bah, je vous dis à une prochaine, n'oubliez pas de liker, partager et commenter mes vidéos. Salut, bye bye, portez-vous bien.